Hey, bienvenue dans cette vidéo. On va discuter d'un truc qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Bah, ça fait quelques semaines que je n'ai plus internet. Pourquoi donc? Bah, parce que ma ligne téléphonique est un peu pourrie. Et en Bretagne, on a souvent des tempêtes. Et à chaque fois qu'il y a une tempête, j'ai mes câbles qui se décrochent au niveau du poteau qui est sur la rue. Et bah voilà, ça fait un mois que ma... Je vais essayer de pas dire de marque dans cette vidéo. Que ma box de chez Gratuit, je pense que tu connais, ne marche plus. Donc, depuis quelques semaines, pour mettre mes vidéos sur YouTube, je suis obligé de me servir de mon téléphone en tant que point d'accès mobile. Et au bout d'un moment, bah, j'ai plus de forfait, c'est-à-dire passer les 100 gigas, j'ai plus rien, j'ai une connexion de merde. Et là, qu'est-ce que ça tombe bien? Il y a de ça 2 semaines, j'étais devant mon ordi en train de faire un montage vidéo, et là, j'ai un appel de chez... Et on va continuer pareil, je vais essayer de pas dire de marque, de chez Bouygues Téléphone. Là aussi, tu dois avoir compris. Bref, cette personne au téléphone me fait: bonjour monsieur Masson, je vous appelle car aujourd'hui je vais vous proposer une offre pour avoir un débit équivalent à la fibre à la maison. Donc moi je me dis, la fibre? Waouh, mais c'est ultra rapide. Ça fait plaisir vu que j'ai plus d'internet, peut-être que ça va m'aller. Donc elle me propose une 4G box. Donc 4G box, je me dis, mon téléphone, il marche bien en 4G ici. Bon, ça peut être une offre intéressante. Peut-être que ça marchera de ouf et que je pourrais, je sais pas, faire des lives pour vous partager un autre contenu que mes vidéos pas en live. Donc là, elle me promet des choses, mais genre, elle m'a enjolivé les choses, la dame au téléphone. C'est-à-dire, elle m'a promis 115 gigas de débit. Ben, étant donné que mon téléphone monte des fois à 80, peut-être qu'avec un truc dans ce genre-là, qui a peut-être une antenne meilleure, oui, ça peut monter à 115. Et au pire, ça marche pas terrible, je resterai dans les 60-80 gigas, et c'est déjà très bien. C'est-à-dire que ça me permet de mettre une vidéo sur YouTube en 15 minutes, au lieu de mettre 8 heures, comme je mets maintenant. Parce que la plupart du temps, pour mettre mes vidéos en ligne, là maintenant, je suis obligé de la mettre la veille, et d'attendre toute la nuit qu'elle passe en ligne. Je commande le truc, je lui demande précisément l'offre, c'est pas si cher que ça, c'est genre 25 euros pendant un an. Je suis satisfait ou remboursé. Donc dans les 30 jours, je peux ramener la box. Bon bref, j'attends, je me dis, ouais, ça va être cool, je vais pouvoir leur faire des lives. Donc je prépare quelques trucs, je me dis, je vais télécharger OBS, je vais faire un petit truc, au cas où ça marche, comme ça je leur prépare une petite vidéo en live. Du coup, j'ai passé des heures à monter un truc qui m'a pas servi au final, parce que bah, quelques jours après, je vais à ma boîte aux lettres. Et là, j'ai cette fameuse 4G box qui est arrivée. Oulala! Je vais la brancher et je vais la tester. Et comment t'expliquer? Tu vois, quand t'as une coupure de courant et que t'as plus d'eau chaude, ouais, tu prends une douche froide, ouais. Bah, c'est exactement ce que j'ai pris. Je la branche, je fais un test de débit, 2 gigas en descendant, et 0,5 en montant. Alors là, je me dis, oula, il y a un problème. Je débranche, je remets la SIM, je recommence, un peu mieux. C'est peut-être à cause de l'heure, il est 21h30, peut-être que tout le monde est sur son téléphone ou sa tablette ou sur internet, donc forcément ça tire un peu sur l'antenne et ça marche moins bien. Je vais au lit, j'attends le lendemain matin, je me lève, je réessaye, même débit, pourri, mais c'est-à-dire pourri. J'allume Google Chrome, il était en mode pagaie. Il remontait une rivière en kayak, quoi. Impossible de lire une vidéo en plus de 480p. C'est-à-dire que même avec ma gratuit box qui monte à 8 gigas, normalement j'y arrive, quoi. Là, spécifiquement, en moi, ça commence à brûler. Tu vois, je suis là en train de me dire, entre 115 gigas de débit et 2, tu vois, je veux bien que ça soit à la moitié. La moitié, je me dis, bon, elle m'a pas complètement menti. Mais là, clairement, elle s'est foutue de ma gueule au téléphone. C'est-à-dire, je lui ai demandé si la connexion était assez stable pour pouvoir streamer. Elle m'a répondu oui. Donc, est-ce qu'elle sait ce que c'est streamer? C'est ça la question. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle vend? Peut-être pas non plus. Alors, il y a une explication toute simple, c'est que ils se sont dit, ouais, la connexion internet dans ce coin-là, là, vers Plouignot, dans la Cambrousse, n'a pas l'air très bonne. Donc, ce qu'on va faire, on va appeler la moitié de Plouignot, on va leur proposer une 4G box, et comme ça, il y a 2000 personnes qui se connectent sur la même 4G, l'antenne est faite. Ah putain, j'en peux plus arrêter de me tirer dessus! C'était une imitation d'une antenne 4G. Je suis énervé, hein. Je vais boire un peu de café. Ça va me calmer, la caféine. Je rappelle Bouygues Téléphone. Bon, déjà, je mets un bon quart d'heure à avoir quelqu'un. Bon, ça, c'est habituel, donc toutes les boîtes, c'est pareil. La personne au bout du fil me dit: oui, est-ce que vous avez essayé de bouger la box un peu partout chez vous? Oui, j'ai.
Essayez, putain. Après, est-ce que il faut prendre la 4G box, le bureau, l'ordinateur, aller directement sous l'antenne pour avoir un débit convenable? Peut-être. C'est pas pratique quand même, hein. Non, ça marche pas, donc je vais résilier. Et là, il me montre étape par étape comment résilier. À la fin de la résiliation, il y a, tu sais, les petites cases qui te demandent pourquoi tu résilies. Il y a « Je déménage, je n'ai plus besoin de ma ligne » et « L'offre que l'on m'a proposée ne répond pas à mes attentes. » En gros, traduit en Greg Masson, ça veut dire « Mec, on t'a b***é et tu t'es rendu compte que tu t'étais fait b***é, donc t'as le droit de résilier. » Du coup, c'est la galère. Je mets mes vidéos en ligne, je mets 8 heures à les mettre en ligne parce que pour l'instant, ma ligne téléphonique, elle n'est pas réparée. Pour les lives, tu peux te la mettre au cul, Grégory, ça ne marche pas. Donc là, je vais tester de commander une antenne 4G LTE où je pourrais mettre directement ma carte SIM de téléphone et peut-être essayer de vous faire un live dans pas longtemps. De toute façon, vous le verrez dans les notifications, si jamais vous les avez activées. Hop, petit forçage, tranquille, faites gaffe quand des gens vous appellent au téléphone pour vous vendre du rêve. Parce que là, elle m'a clairement vendu du rêve et ça s'est transformé en... cauchemar, c'est pas complètement un cauchemar parce que voilà, j'ai testé, je suis satisfait ou remboursé, je vais leur amener le truc, j'aurais payé quoi 5 euros de frais de port, ça va, c'est pas très grave, mais bon, c'est quand même du gros foutage de gueule. La fibre à domicile. Donc voilà, c'était une petite vidéo face cam comme ça pour vous raconter une petite histoire de Greg le Boulet encore, parce que voilà, je me suis clairement fait avoir. Vous faites pas avoir par des offres alléchantes, faites gaffe et on se voit dans une prochaine vidéo. Ça sera sans doute une vidéo de petit vélo. Allez, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Abonne-toi, laisse un like si toi aussi, t'as une connexion internet de merde. Et bon ride, à plus.